Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 25 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Commençons avec cette carte qui nous présente le défilé des gendarmes. Qu'est-ce que ça vous inspire? Une certaine fierté. En même temps, bien, ça m'inspire quoi? Les lois, les règles? Tout ce qui peut être gouvernemental aussi, se libérer de quoi veux-tu te libérer? En lien avec cette carte, tu veux te libérer de quoi? Qu'est-ce qui te traverse l'esprit rapidement? Se libérer de quoi? Est-ce qu'il y a une rigidité en cette carte? Il y a quelque chose de formel. Ça m'inspire aussi une discipline. Les lois, les règles. Bon, attendez un peu. De quoi veux-tu te libérer? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit en regardant ces deux cartes? Continuons, on verra bien. Mais de quoi veux-tu te libérer? C'est peut-être une personne qui manque de souplesse. Non, ici, attendez, là, ça m'inspire les lois, les règles, la justice, tout ce qui est gouvernemental. Défilé, défilé. En même temps, je ressens une fierté. Donc, se libérer de quoi? J'ai besoin de votre aide. Bon, ici, on nous présente la carte du contrôle. Contrôle disciplinaire. Contrôle. Qu'est-ce que vous voulez me dire? C'est peut-être une personne qui, quoi, se contrôle, contrôle, est au contrôle. Besoin de reprendre le contrôle. De quoi veux-tu te libérer? D'une certaine rigidité? La carte du contrôle nous parle aussi d'une reprise de contrôle. Je vais me gérer. Je vais reprendre le contrôle de cette affaire. Je vais reprendre le contrôle de... En dessous, il y a une carte qui me présente une brunette. Une brunette. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire ici aujourd'hui? Et il y en a une. Voyons, il y a beaucoup de femmes en cette guidance. Il y a quelqu'un ici qui veut se libérer de quoi? Allons-y, créons une histoire avec ces cartes. Oh, il y a quelqu'un ici. Il y a beaucoup de femmes. Il y a des femmes, des femmes. Beaucoup de passion. Ici, c'est le clan. Sortir d'un clan, se libérer d'un clan, se libérer de... Attendez, là, la famille, famille de sang ou non. Le clan, le groupe. Femme, femme, femme. Ça me fait penser à la chanson de... Femme, 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 da 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 da. Femme, 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 da 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 da. Serge Lama. Voilà. Il y a beaucoup de passion ici. Mais là, on nous parle de quoi avec la carte du contrôle? Je reprends le contrôle ou je me fais contrôler, je me fais manipuler. Se libérer de quoi? Ici, la carte de la libération, encore une fois, se libérer de s'alléger, se libérer d'un clan. Ici, c'est l'arrivée des gendarmes, le défilé des gendarmes. Ici, des femmes, en voulez-vous? La passion, du désir, l'énergie sexuelle ici. Il y a beaucoup de désir.
Il y a peut-être une femme ici qui est au contrôle, qui gère les autres femmes. Sortir d'un clan, sortir d'un groupe. Ah, ici, il y a des brunettes, des rousses, des blondes. Écoutez, vous avez le choix d'énergie sexuelle. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui gère, c'est gouvernemental. Peut-être ici qu'on gère une entreprise. On gère, libérer d'un clan, se libérer d'un clan, d'un groupe. Il y a quelqu'un qui gère, qui est au contrôle, c'est la brunette, on dirait. C'est elle qui suivait la carte du contrôle. Attendez une minute, là. Aidez-moi. Se libérer de... On n'a pas le choix ici. C'est l'arrivée des gendarmes. Il y a quelqu'un ici qui va opérer un changement. Sortir d'un clan, sortir d'un groupe. Continuons. Tu as le choix ici. On répond à tes désirs. Tu veux quel genre de femme? Une grande, une blonde? Une petite? Une noire? Tu as le choix. Oh, j'ai l'impression de voir des femmes, femmes, femmes. C'est la chanson de Serge Lama qui m'a traversé l'esprit. Probablement. Probablement. Que ça a un sens. Je regarde la brunette ici. L'épée et la rose. Oui, ici, on parle. Rendez-vous, rendez-vous. Elle est au téléphone. Les rendez-vous. Tu veux passer du bon moment? Ah là, ça me fait penser à la chanson de Nanette Walkman. Call girl, à votre service. Pour le rêve ou le vice. Je fonctionne par téléphone. Plus besoin de faire les trottoirs. Quand l'amour est monotone, viens me voir. Ça me fait penser à la chanson de Nanette. Écoutez, voulez-vous bien me dire ce qui se passe aujourd'hui? Call girl, à votre service, pour le rêve ou le vice. Ça me fait penser à ça. Bien ici, il y a une personne qui croit. Coudonc aujourd'hui. Première guidance de ma journée. Bon, ici, l'épée et la rose, bien, on nous parle de quoi? De révélation, de la vérité, des faits, de la réalité. On voit clair maintenant. Avec l'épée, on tranche. L'épée de la justice aussi. C'est une femme qui gère les autres filles, qui gère les femmes, qui gère l'entreprise, qui prend les appels. J'ai vraiment cette impression aujourd'hui. Et il y a quelqu'un ici qui se libère du clan, du groupe. Il y a l'arrivée des gendarmes. C'est le contrôle. Il y a, on dirait, un contrôle là, ici. Un contrôle qui est fait. Il y en a une fille qui s'en va. Oui, regardez, cette relation est terminée. On met fin à... Et on a la carte de l'addiction qui me parle de quoi? Être sous l'emprise de, être attaché à. Il y a quelqu'un ici qui met fin à l'emprise, à un contrôle justement. Il y a une femme ici qui contrôle, qui gère les filles, les femmes. Donc il y a quelqu'un qui quitte le clan, qui quitte le groupe, qui se libère. Pas de seconde chance, là. C'est terminé. C'est ce que je perçois. Addiction. Addiction à quoi, selon vous?
Addiction au sexe. Être sous l'emprise. Donc, il y a vraiment quelqu'un ici qui repousse l'autre aujourd'hui. Qui met fin à un contrôle. Il y a une personne qui était la marionnette de l'autre et qui dit, tiens-toi loin aujourd'hui. Ici, avec la libellule, on voit clair. Lumière, lumière. On voit clair. La libellule révèle, dévoile, met en lumière. Expose. Donc, il y a quelqu'un ici qui coupe ses cordes. Les cordes de l'emprise. Il y a quelqu'un qui se libère, qui sort du clan, d'un groupe. On coupe. Je ne veux plus être sous ton contrôle, sous ton emprise. Je ne veux plus être ta marionnette. Oui, il y a quelqu'un qui est en colère et sa colère lui sert de quoi? Bien, sa colère semble être canalisée pour l'aider à s'affirmer, se respecter, mettre sa limite. Et ici, on dirait que j'entends, écoute, si tu t'approches encore, je révèle tout, tout haut. Non, non, il y a quelqu'un ici qui met fin à l'emprise. Au contrôle exercé. Sur elle. C'est une histoire de femme ici. C'est très féminin, féminin, clan. Il y a une femme qui est au contrôle, c'est la brunette. Tu veux quel genre de femme? Une rousse? Quel âge? C'est ça ici, là. Mais étant donné qu'il y a la carte des gendarmes, addiction, on se libère du clan. Probablement qu'il y a quelque chose d'illégal, peut-être. À vous de voir. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je regarde la brunette. Cette carte, m'interpelle. On dirait qu'elle me regarde. Attendez, je vais aller la visiter un peu. Elle est dans l'attente. Elle attend quoi? Oui, ici, on nous parle de relations, de rencontres sans engagement. Oui. Donc, c'est une histoire de rencontre, de gestion de femmes, de filles, de sexe, de désir. Laquelle désires-tu? Tu as le choix. Oh, j'ai vraiment ressenti la présence du féminin en abondance. Femme, femme, femme. Da-da-di-da-da. Elle attend ton appel. Elle attend ton appel. Relation sans engagement. C'est ça. Et désir, passion, emprise en même temps. On a tout vu ça. Bon, ok. Allons-y avec la carte du papillon qui nous dit quoi aujourd'hui? Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment.
pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Alors voilà. Il y a quelqu'un ici qui se libère, qui sort du groupe, qui reprend le contrôle de sa vie. Et voilà, on se libère. On se libère de quoi? D'après moi, avec la carte ici, ça m'inspire la justice, les règles. Donc, il y a quelqu'un qui sort d'un groupe, se libérer. J'ai envie de demander une autre carte sur se libérer de... Il y a comme une discipline de l'ordre, on doit respecter, se libérer de ton contrôle. Il y a quelqu'un qui se libère de ton contrôle. Se libérer de, vous voulez me dire quoi encore, s'il vous plaît? Bon, d'un contrat, d'un engagement. Oui, il y a quelqu'un ici qui met fin à un engagement. C'est ce que je vois. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.